Allô tout le monde et bienvenue au Vlogmas jour 8. Donc là, il est rendu 10h30. Je me suis réveillée à 9h, je pense. Mais c'est le temps que je sois vraiment réveillée. Fait que vous allez vous dire que je commande vraiment souvent, vous n'aurez pas tort, mais là c'est qu'il y a la livraison qui est gratuite en ce moment. Puis ma commande de déjeuner, c'est ça, quand j'ai fini mes toasts et tout, fait que j'avais comme vraiment rien à manger. Et je commandais du Aïdou. Puis ça a juste coûté genre le même prix que si j'étais allée directement au IW vu que j'ai pas payé la livraison, fait que c'est comme ça super long, je me dis. J'ai un café. Premièrement, que je sais pas s'ils ont mis du lait et du sucre dedans. Du sucre, je dois en avoir ici, mais du lait, je pense pas j'en ai. Fait qu'un café, ça va bien, en tout cas. Puis, une patate déjeuner. J'avais vraiment besoin d'une patate déjeuner. Puis, un genre de sandwich matin, là, que c'est comme un œuf. Puis du fromage. Ah, j'avais demandé de rajouter une tomate, mais ils ont oublié. Bon, au moins ils n'ont pas mis de bacon. Fait que ça me dérange pas tant parce que j'haïs ça. Quand il y a du bacon, ça. Tu sais, moi je suis végé, ça fait longtemps. Fait que genre le bacon, ça touche à tout. Puis genre, c'est pas bon là. Quand c'est dans quelque chose, même quand tu essaies de l'enlever, c'est tout pogné dans le fromage. Puis ça donne tout le goût de bacon que moi je m'intéresse pas. Fait que je vais manger puis je vous reviens. Tantôt, effectivement, à 2h30, je vais rejoindre ma cousine après son travail. Puis on va magasiner pour les choses de Noël. Fait que je suis vraiment contente. Ça va être cool. Même si je suis malade, là, je vais me forcer par les poignets. Un autre travail de session de fini. Un gros 30 pages. Oh, ma fenêtre est un peu ouverte. On entend un enfant crier dehors. C'est la fin de la session qui arrive, ça. Oh, allô, Emile. Je suis en train d'oublier de faire l'ouverture de mes calendriers. Fait que là, le 8, je le vois ici. C'est dur à une main. Je peux me répéter encore et encore, mais c'est difficile. Bon, une petite boule, comme ça qui est tombée là. Et pour l'Occitane, hier c'était la crème à main à la lavande. Ça doit sûrement sentir bon, je l'ai même pas pris le temps de la sentir. Bon, comme ça. Oups. Ok. Donc, le 8, où est-il? Ici. Oups. Ah, ça, c'est un produit que j'ai déjà essayé. Puis, je pense que c'est le plus populaire de la gamme. C'est l'huile de douche amande. Donc, ça a la même odeur que la crème pour les mains que j'aime beaucoup. Mais ça, c'est un petit format super pratique. Fait que j'étais sûre qu'elle allait l'avoir un moment donné, mais je savais pas quelle journée. Fait que voilà. Ça lave bien le corps, ça hydrate. Puis ça mousse un peu, mais moins qu'un gel, mettons, là. Parce que c'est une huile, c'est plus gras. Fait que moi, c'est pas mes textures préférées ever, mais ça fait vraiment cocooning par contre. Admettons que vous voulez une petite soirée vraiment relaxante, là. Prenez un bain ou une douche avec ça. Oups. Fait que je sais que ce petit format-là, je pense qu'il est disponible dans les magasins aussi. Il me semble que j'avais vu quand j'étais allée au L'Occitane à un moment donné à Québec. Comme je vous dis, je vais peut-être aller faire un tour tantôt à celui du Centre Eaton. Mais en même temps, j'ai tellement de produits que j'ai pas besoin de rien. Ok, fait que la case numéro 8 est là. Je vous dépose une seconde. Donc dans ces cases-là, jusqu'à date, j'ai rien gagné. Tu sais, ceux qu'il faut identifier, là, c'est ici. Il y a un gui sous la... Non, ça dit prochaine fois. Bon. On est arrivé au centre d'achat! Pascal, c'est la Christmas season! Fait que là, je vais aller au Redmond pour aller essayer
la robe pour voir quelle grandeur je prépare, fait que je l'ai emmenée avec moi. C'est ça le fit. Je vous montrerai parce qu'elle va qu'est-ce qu'elle va prendre. Puis je vous montrerai la taille au-dessus. Fait que tu sais, comme je vous disais, ça te laisse plus de loose, j'en ai plus légère. Attendez, est-ce qu'on va mieux ici? Attends. Hein. Le casque. Oui, je vais aller changer pour celle-là. Pascal, j'ai appris le piano. Ça, c'était malade, ce jeu-là. On avait vu un quand vous étiez jeune. Trop cool. Nos achats de cadeaux vont bon train. On a toutes sortes de sacs tous les deux, fait que c'est tellement cool, j'aime tellement ça le Christmas shopping. Puis là, on se dirige rapidement vers le Sephora parce que je vais aller faire un tour avant que ça ferme dans 15 minutes. Ah ouais, vite! Bon, on arrive, on est juste là. Checker, c'est la nouvelle section du Centre Eaton qui est tout en train d'être rénovée. Puis en haut, ça m'intrigue full, il y a genre le truc qui s'appelle Time Out Market, puis là, on va avoir vraiment plein de bons restos. On ira à un moment donné. Ça se passe bien ton Christmas shopping? Oui. T'as trouvé plein de choses? Ah, mets-toi des amis dans ton sac. Moi, je les emmène demain parce que j'ai juste ma sacoche. Ouais. C'est le fun! J'ai le droit à une petite canne de bonbons. Fais bien rester. Mon beau sapin. J'ai le commande. Oui. Pourquoi ceux-là sont pas dans le sapin? Les bonhommes à pas d'épices? Parce que c'est moi qui ai aimé. Oh, ok. Que quoi? Nous sommes désolés pour ce temps d'attente. Eh, c'est compliqué. Merci de bien vouloir patienter. Saint-Hubert, là. On essayait de commander au Saint-Hubert parce que maintenant, ils font des filets végés puis je voulais vraiment goûter. J'en sens de leur full bon. Puis on a appelé à deux différents Saint-Hubert puis ils en avaient plus. Fait que les deux qui livraient dans la ville ici, ben dans le quartier. Fait que je suis bien déçue, mais finalement, on a commandé du Thaï Express. Fait que je vais essayer leur sauté végétalien, sauce aux arachides, c'est tout en ça que je prends, sur base de riz. Puis j'espère que ça va être quand même bon. La dernière fois que j'avais commandé au Thaï Express, c'était vraiment pas bon. Mais j'avais mis pas épicé du tout, puis ça goûtait rien. Fait que là, j'ai mis moyennement. C'est juste ça, tu sais, il y a comme pas moyennement épicé ou très épicé. Fait que ouais. Ben déçu pour le Saint-Hubert, ça sera partie remise. Ils en avaient plus dans leur cuisine. Fait d'après moi, ils les ont vendus dans la journée ou bien ils en ont comme pas tant que ça. Mais sinon, j'irai vraiment en salle au Saint-Hubert pour goûter là, parce que je suis vraiment surprise. La dernière fois que j'étais allée, j'avais mangé de l'houmous. Il y avait absolument rien de végétarien. Puis il y a même une salade de chèvre, mais ils l'avaient pas non plus. En tout cas, fait qu'on a juste laissé faire. En plus, c'était comme vraiment long l'attente. Tu sais, j'avais dit à Pascal qu'elle prenne juste son poulet à elle. Puis moi, j'allais commander autre chose. Mais ça ne tentait pas d'attendre si longtemps parce qu'il est quand même rendu 7 heures. Fait que on attend ça. On regardait un petit peu Occupation Double, mais j'ai pas du tout suivi la saison. Il y a juste des gens, des fois, qui me parlaient de qu'est-ce qui se passait. Même si je le demanderais pas, parce que c'est vraiment pas mon genre d'émission. Mais ça, c'est le dernier épisode, là, où est-ce qu'ils reviennent sur la saison, puis que... je sais pas comment ça s'appelle, mais ils règlent leur compte, là. Je m'en rappelle plus le nom. Fait que là, il y a pas grand lumière, là, je suis juste éclairée par le sapin. Mais oui, je vais sûrement rentrer chez moi ce soir, parce que je veux faire absolument le montage de ma vidéo. Puis demain, j'ai de l'école quand même à 12h30 que je dois aller à l'école. Puis j'ai un examen que je dois faire après ça en ligne, fait que je pense pas que je vais dormir ici. Je pense que je vais rentrer à la maison, fait que j'espère qu'on... ça sera pas trop long. Avant qu'on ait notre bouffe, on voulait écouter peut-être un film de Noël, il faudrait qu'on le parte bientôt, si on veut justement que ça s'éternise pas trop. Fait que j'ai trouvé une bonne partie des cadeaux de Noël que je voulais faire pour ma soeur puis pour ma mère. Je pense pas que je vais les montrer, peut-être que à ma mère je vous montrerai, là. Et pour ma soeur, j'ai trop peur que soit elle écoute pas toutes mes vlogs, mais... ou qu'il y ait quelqu'un qui lui dit, genre une de ses amies qui écoute ou quelque chose, là. Ça c'est possible. Fait que je vais garder ça pour garder la surprise. Là, peut-être que je les montrerai quand je les emballerai quelques jours avant de partir, tu sais, pour le temps qu'ils aient pas le temps de le voir, ou en tout cas, quelque chose comme ça. Fait que c'est ça nos plans. Pour la journée, c'est vraiment le fun, le petit shopping de Noël, j'aime tellement ça.
Puis là, j'ai plein de choses lourdes avec moi à transporter, mais bon. Ouais. Fait que je vous montrerai notre bouffe quand ça arrivera. Yeah. Oh, vous avez décoré la plante! Oui, parce qu'on aime les plantes ici. Oui, c'est à ça que ça ressemble. C'est parce qu'on les a virées à l'envers, fait que mes légumes sont en dessous, là, mais une chance que j'ai dit moyennement, légèrement piqué parce que, ouf, ça pique le stibol. Le stibol d'acuyel, c'est quoi? Un patou? Patou, bête! Oh, bête! Ça, c'est un sauté arachide. Ben, je l'avais dit tantôt, de toute façon. Fait que voilà. Bon appétit! Allô! Wow! C'est qui c'est ça qu'on a regardé? The Night Before Christmas. C'était cute. Un bon petit film de Noël que t'aimes. Ouais. Oui.